veiller au respect des patients et faire des propositions afin d'améliorer la qualité d'accueil. Voici les principaux enjeux de cette quatrième journée des droits des patients. Le programme Tout Public permet de rencontrer différents représentants d'associations et médiateurs du CHPG. Pour cette quatrième édition, on a quand même réalisé une conférence hier avec l'avocat de l'hôpital. Le public, c'était tous les professionnels de l'établissement. C'était un rappel sur les bonnes pratiques et en faveur de l'information et du consentement auprès des patients. Aujourd'hui, on a plusieurs stands. Donc, vous avez les stands avec les associations des usagers. Donc, vous avez l'association JATAL. Vous avez également l'association Écoute, Cancer et Confort. Ce sont deux associations qui sont très actives au sein de l'établissement pour objectif de venir auprès des patients dans les différents services. Également, il faut savoir qu'on a des représentants des usagers qui siègent au sein de certaines instances de l'établissement et c'est vraiment une plus-value pour le bien-être des patients. La principauté a fait des droits des patients une réelle priorité. C'est pourquoi cette journée répond aux besoins spécifiques des malades. Une initiative qui confirme donc la politique de santé mise en place par le gouvernement princier. C'est très important. Au-delà de la qualité des soins, bien sûr, l'excellence des soins qui est notre premier objectif, c'est de guérir, de faire guérir le plus vite possible et le mieux possible les malades. Mais au-delà des plateaux techniques, au-delà de la compétence technique des médecins et des soignants, de tous nos personnels, il y a aussi le respect des droits à l'information, le respect du droit au consentement, au traitement subi par le malade pour guérir. Et nous attachons beaucoup d'importance à la relation humaine. Je crois que peut-être pendant trop longtemps dans les universités de médecine, on n'a pas assez insisté sur la qualité justement de la relation humaine que l'on doit avoir avec le malade. Et j'y tiens beaucoup, et les personnels de l'hôpital y sont de plus en plus sensibilisés. Le malade, ce n'est pas un numéro, ce n'est pas un chiffre à guérir, c'est un être humain. Et on doit prendre toute sa dimension humaine, le respect qu'on lui doit, le respect qu'on doit à sa famille aussi. D'ici à la fin de l'année, le centre hospitalier Princesse Grâce offrira 4 lits fixes de soins palliatifs afin d'accueillir les patients dans les meilleures conditions.